Monsieur le Président, cher Rafael Correa, permettez en tout premier lieu, qu'en te saluant avec l'amitié et l'émotion qui est celle que tu as pu constater dans cet amphithéâtre, en nous adressant à toi, nous tournons nos pensées vers l'action révolutionnaire citoyenne du peuple de l'Équateur qui nous a ouvert le chemin. Nous autres, les Français, nous avons une intime relation avec l'Équateur que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. C'est que du temps où Quito était l'audience royale du Pérou, une expédition française de scientifiques, qui n'avait pas que des vues scientifiques à l'esprit, mais aussi la recherche des routes maritimes les plus courtes, dirigée par Lacondamine et Jussieu, sont partis à Quito mesurer la forme qu'avait l'arc de la Terre pour savoir si c'était une patate ou si c'était un fuseau. Il y avait les intérêts commerciaux, salut Zoé, que tu la connais, c'est Esther. Es la ex-presidenta del Parlamento griego. Esa es una luchadora. Ça va, vous comprenez tous l'espagnol ici, hein? Et donc, Lacondamine et Jussieu, dont je ne vous raconterai pas les péripéties, mais qui sont extrêmement intéressantes, je vous recommande de lire un petit livre qui s'appelle « Le procès des étoiles », où vous voyez cette expédition qui devait partir pour quelques mois durer un temps fou. Mais il y a eu une influence de l'idée des Lumières. Bonjour Chantal Mouffe. La terra entera está acá. Les révolutionnaires du monde entier sont là. C'est normal. C'est Chantal Mouffe qui est là devant, et merci d'être là Chantal. Et donc, ces deux Français ont eu une sorte d'impact, ces Français, sur l'état d'esprit de l'élite intellectuelle équatorienne, qui était déjà extrêmement éveillée, les sciences expérimentales et la pensée des Lumières. Alors, on peut en être fier. Mais à rebours, je veux dire que nous ne faisons pas partie de ces Européens qui regardent de haut l'Amérique latine comme un ramassis d'indigènes folkloriques, auquel il est bon d'aller de temps à autre taper sur les épaules. Nous avons, cher Raphaël, pendant toutes ces années où vous avez, après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme d'État, réouvert le chemin qui semblait fermé, celui des batailles émancipatrices de la liberté et du partage des richesses. Nous devons à l'Amérique latine et à des gouvernements et à des hommes et des femmes comme ceux qui ont entouré Raphaël Correa que notre lutte, pas une seule année, ne s'est interrompu et que le flambeau de fanal de combat est toujours resté allumé. Nous le devons à cet homme. D'Équateur auparavant était venue la leçon d'un homme qui compte pour Rafael Correa, Eloy Alfaro, qui est une sorte de lumière, puisqu'il se référait aux Lumières lui-même, et qui fut un des premiers libérateurs de la société équatorienne dans des conditions plus avancées que ne l'était celle de la France. Bref, ces raisons historiques nous font un devoir, celui de nous sentir toujours composantes d'un mouvement mondial, dont les figures essentielles desquelles nous tirons leçon ne sont pas toutes dans notre canton, notre village, notre commune, ni même notre pays. C'est au mouvement d'ensemble d'émancipation de l'humanité universelle que nous nous rattachons. Rafael Correa, je ne sais pas si beaucoup de mes compatriotes connaissent l'Équateur. Ils ont bien tort. Tu as été, d'une manière imprévue par moi, le seul chef d'État qui ait soutenu ma candidature en 2012, qui n'était quand même pas banal. Mais avant ça, on lui avait emprunté le concept de révolution citoyenne. Ça m'amène tout de suite à une précision, rassurez-vous, je ne vais pas être long. Nous n'avons pas de modèle en Amérique latine
quand bien même souvent nous empruntons les mots. De la même manière que l'Amérique latine a appris à se passer des modèles européens compte tenu des catastrophes que ceux-ci pouvaient déchaîner. Nous n'avons pas de modèle, nous avons des sources d'inspiration. Et nous aimerions mériter le respect qui est dû à notre intelligence. Je n'ai jamais eu idée de gouverner la France comme l'Équateur, pour la raison que nos situations sont si différentes. Et naturellement, ce qui vaut pour l'Équateur, vous l'avez tous deviné entre les lignes, vaut pour n'importe quel autre pays. Cependant, pas une fois, pour des motifs de confort et pour s'éviter les foudres de la propagande internationale qui veut aujourd'hui reconstituer un paysage de guerre froide, nous ne perdrons notre temps à jeter des pierres à nos amis dont nous savons qu'ils ne sont pas parfaits puisque nous savons que nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Et qu'il y a dans toutes ces expériences des moments lumineux et parfois des faiblesses. Et nous apprenons autant des forces que des faiblesses. Mais nous apprenons et nous manifestons du respect à l'égard de ceux qui vivent à proximité d'un empire agressif, violent, organisateur permanent de complots, de coups d'État, de tentatives d'assassinat et de déstabilisation. Quelque erreur que fassent nos amis, nous ne perdons pas de vue que le responsable principal du mal, du désordre, des tentatives de guerre civile, c'est l'impérialisme américain. Alors, si la Russie, à laquelle on oppose souvent les États-Unis, se comportait en Europe comme les États-Unis se comportent en Amérique latine, c'est-à-dire en organisant des complots et des coups d'État partout, ce serait déjà la guerre en Europe. J'admire la science, l'intelligence politique de ces hommes et de ces femmes qui nous ont montré comment, devant une pareille menace, on peut répliquer tout le temps en ne comptant que sur la démocratie et que sur l'appui populaire. Que la leçon soit entendue partout, car la démocratie, l'appui populaire restera notre méthode aussi longtemps que ceux qui nous ont ouvert la voie nous auront fait cette démonstration magnifique que c'est le chemin de la victoire. À bon entendeur, salut. Avant de